Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 22 juillet 2024. Déjà, il y a dans le ciel, bon, un tas de planètes qui évoluent tout le temps, la bonne blague, hein, mais elles évoluent cette semaine, il y a des changements, vous allez voir. Le plus gros, le changement majeur, c'est le changement de signe du Soleil. Pourquoi? Parce qu'on le sait, le Soleil change de secteur tous les mois, hein. Il y a 12 signes, 12 mois, le calendrier d'ailleurs est construit sur les cycles du Soleil. Hein. Il y a 12 secteurs du ciel, 12 mois, hein. C'est comme ça. Hein. En général, 30 jours. C'est pour ça qu'on a réajusté. Il y a eu un petit décalage de calendrier, 365 jours, 360 degrés. Hein. Au cours du temps, certains, notamment empereurs romains, ont rajouté Julius pour juillet, Julius César et Auguste pour 31 août, hein, pour rajouter, pour marquer que c'était des empereurs plus importants. Donc on a fait des ajustements de calendrier, entre autres, mais petite subtilité. Mais il n'empêche que ça fonctionne sur le calendrier. Alors qu'est-ce que j'ai? Cette année, donc il y a un décalage tous les ans, le Soleil quitte un signe pour entrer dans un autre, avec une petite variable qui se réajuste avec l'année de bissextile, hein, on est obligé de réajuster, c'est comme ça. Voilà. Et cette année, le Soleil quitte le Cancer pour entrer en Lion lundi 22 juillet à 7h46 en temps sidéral, c'est 7-8-9, ça veut dire 9h45 pour faire simple. À 9h45 du matin, ce lundi 22 juillet, le Soleil rentre en Lion. Voilà. Et il entre dans un secteur du ciel où il est magnifique, tout puissant, rayonnant au maximum de son intensité en Lion, sa maîtrise absolue. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne, si vous avez des planètes en signe d'eau, par exemple Cancer, Poisson, Scorpion, et puis ou Taureau, Vierge, parce que quand le Soleil était en Cancer, il veut du bien à ces cinq-là. Hein. Vous avez jusqu'à lundi 9h45 du matin pour avancer au maximum, au plus vite, dans tout ce que vous pouvez mettre en place. Parce qu'à partir de lundi 10h moins le quart, le Soleil rentre dans ça. Magnifique combinaison d'été, hein, là, au maximum de sa densité, je disais, et il va éclairer pendant un mois qui? Hein, j'ai eu plein de commentaires, et nous, les signes de feu, on n'est pas gâtés. Si, c'est maintenant, voilà, c'est votre tour. Donc, excellent pour qui? Pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, et par le jeu des sextiles, pour mes gémeaux et mes balances. Vous cinq, le mois qui vous attend à partir du 22 juillet, globalement, vous avez déjà la condition solaire au-dessus de votre tête, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'il y a encore Mercure et dans tous les cas Vénus. Donc Soleil, Mercure, Vénus en Lion, c'est pas mal pour mes signes de feu et les deux signes associés qui sont mes Gémeaux et mes Balances. Ce début de semaine, on est dans une bonne dynamique, indiscutablement, c'est le moment de faire avancer tout ce qui vous tient à cœur sur ces trois paramètres qui vont être la condition solaire, hein, le rayonnement, la chaleur, la confiance en vous, l'assurance, la générosité, voilà, toutes ces bonnes énergies-là, solaires. Hein. Et puis également, tant que vous en profitez-en jusqu'à jeudi, que Mercure est dans le même secteur, communication, aller à l'essentiel, être pédagogue, être fin, précis, pas avare d'explications. C'est vraiment le truc là. Et puis Vénus, le charme. Ah, Vénus en Lion, magnifique Vénus en Lion. J'avais une anecdote à vous raconter. C'est bon, je l'ai raconté 10 fois, mais je vous la refais. J'avais rencontré un garçon tout à fait délicieux qui lui est Cancer et dont la Vénus est en Lion. C'est Kev Adams, un quotidien, un comédien. Je l'avais rencontré sur Énergie, il y a, je sais pas, c'était en 2017, un truc comme ça. On doit retrouver la vidéo sur Internet. Et quand je lui ai fait son thème, je lui avais dit, tiens, toi Cancer, hypersensible, adorable, attachant ce qu'il était humainement, indiscutablement. Et Vénus en Lion, comment tu aimes? Je me semble lui avoir trouvé un truc du genre, si tu rentres ou tu sors d'un resto avec une très jolie fille à ton bras, si tous les regards sont polarisés sur ta copine et plus sur toi, tu sais que tu l'aimes. Vénus en Lion, c'était sa façon de transposer, enfin, rentrer dans son oreille pour lui expliquer un peu la coloration de Vénus en Lion, on aime ce qui est beau. Voilà. En tout cas, ça augmente le charme, le charisme et l'importance, et les liens qu'on crée avec les autres sous la forme d'une idéalisation qui est parfois pernicieuse. Faut pas trop idéaliser, parce que quand on idéalise trop, après on peut être déçu. Mais en tout cas, admirer, estimer, il y a des bonnes énergies avec cette position-là pour vous, mes signes de feu, et mes gémeaux et mes balances, d'être gâtés. Voilà, c'est dit. Bon, tout ça ne nous dit pas ce qui se passe après, parce que en parallèle, à partir de jeudi 25 juillet à 22h43 en temps sidéral, donc autrement dit vendredi 26 juillet à 0h45, pour faire court, une fois qu'on a fait les réactifs horaires, vendredi matin, Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, la communication,
l'aptitude à s'adapter aux situations, rentre en vierge. Donc, va quitter le lion, va quitter la vision d'ensemble qui a plein d'avantages, la vision d'ensemble, mais qui parfois a du mal à rentrer dans le détail. C'est pour ça que chez Mercure en lion, il y a ce côté, je vais revenir dessus, ça a fait sourire certains et certaines, mais quand j'ai tendance à dire Mercure en lion, ils ont une vision d'ensemble. J'ai dit beaucoup de bien de mes lions, je vais vous taquiner un peu. Mercure en lion, c'est je sais tout. Il dit, ouais, mais oui, je sais, y compris l'idée directrice d'un truc, et qu'on leur dit, oui, mais peut-être que, si tu comprends pas, c'est que t'es bête, c'est comme ça, point, ça tombe parfois comme des couperets. Donc, Mercure en Lion, ils doivent apprendre à être pédagogue, à être élastique, à dire, mais j'ai. Pour moi, les gens vraiment intelligents, c'est ceux qui sont capables de dire, je ne sais pas, expliquez-moi. Ça, c'est de l'intelligence. Adhérez-vous, mes lions, vous me direz, me ferez un petit commentaire. Bref, Mercure entre en Vierge, vendredi matin à 0h45. Et pour l'anecdote, Mercure, planète du mental, de la communication, mais aussi de l'adaptation. C'est ça, Mercure. Vous vous souvenez ce que disait, comment il s'appelle, Darwin. Darwin disait, ceux qui s'en sortent ne sont ni les plus forts ni les plus intelligents, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux. Et ça, c'est le boulot, la fonction, le sens premier de Mercure. Et Mercure, qui rentre dans le signe de la Vierge, Mercure qui rentre dans le signe de la Vierge, là, il est très heureux, il est chez lui, il est au maximum de sa puissance, au maximum de son intensité. Il y a deux endroits où Mercure est très beau, c'est en Gémeaux et en Vierge. Et là, il rentre dans un de ses secteurs de prédilection. Et en Vierge, il gagne en qualité de finesse, d'analyse, de communication, de précision. Sont des profils qui, quand ils ne connaissent pas, ils vous disent « je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas ». Parfois, moi j'ai un Mercure en Vierge, je peux avoir l'esprit vachement fermé, « m'intéresse pas, pas envie de comprendre ». Et puis en revanche, quand c'est des trucs qui nous intéressent, on peut approfondir, creuser, comprendre le pourquoi, le comment, à l'endroit, à l'envers, dans le détail, dans un sens, dans un autre, et essayer de s'approprier une chance sémantique pour être au plus fin possible. Et on peut faire des monologues d'une demi-heure, ça casse les pieds de tout le monde. Parfois, pas toujours, heureusement, mais parfois, parce qu'on dit, mais change de disque, oh là là, on t'en demande pas tant, etc. Moi, j'ai connu un peu ça, mais c'est pas totalement dépourvu de matière, dans tous les cas. Mercure en Vierge, ça phosphore pas mal, mais ça aime la précision de la communication. Ça peut être un peu, voilà, un peu comme ça. Donc, très très bon, du coup, pour le mois qui suit, à partir là de ce vendredi milieu de la nuit, 0h45, très bon en matière de com' d'adaptation pour mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes Scorpions et mes Cancers. Pourquoi? Mercure chez lui, max top, on va être bien servi, nous, normalement, en matière de fluidité et d'adaptation, mais également mes autres signes de terre et mes deux signes d'eau associés. Très très intéressant ce qui arrive avec ce Mercure en maîtrise. Donc il y a dans le ciel cette semaine deux maîtrises qui arrivent. Il y a le Soleil qui arrive en Lion, très puissant, et Mercure qui arrive en Vierge, très puissant aussi. C'est pas mal ça, pas mal du tout. Voilà, pour vous avoir une vue d'ensemble et communiquer de façon tout à fait fine et judicieuse. Ceux qui avaient Lion, qui sont Lion avec Mercure en Vierge, que j'ai rencontrés, ils étaient mais redoutables. Parce qu'ils avaient à la fois l'assurance, la chaleur, et à la fois la précision du verbe. Et ce mixte-là, ouf, il est vraiment, vraiment très intéressant pour le coup. Voilà ce que je voulais vous raconter sur cela. Mars toujours en Gémeaux, donc le côté débrouillard, il est à 1 degré du signe, donc, et puis Jupiter 12 degrés Gémeaux, donc Mars, l'action et Jupiter vont se rapprocher. Mars allant plus vite que Jupiter. Donc Mars, l'action, le côté débrouillard, le Mars Giver, très intéressant pour trouver des parades à tous les petits soucis du quotidien. Vous vous souvenez de l'histoire, je répare un bout de scotch, trois bouts de ficelle, n'importe quoi. C'est un peu ça, Mars Gémeaux. Très bon pour mes Gémeaux, surtout qu'il y a Jupiter en plus, la chance, l'adaptation, la synchronisation, les opportunités à saisir. Il y a un côté extrêmement habile avec Mars et Jupiter en Gémeaux. Très bon pour mes Gémeaux, très bon pour mes Balances, très bon pour mes Verseaux, très bon pour mes Béliers et mes Lions, encore une fois, c'est un de plus. Donc très bon pour vous cinq, action, opportunité, positiver les situations, mettez la goutte dans les rouages avec Jupiter, retroussez les manches avec Mars, les deux se synchronisent, c'est très très bon pour aller de l'avant. Très bon, vraiment, sur ces plans-là. Sinon, j'ai toujours en toile de fond des planètes en poissons rétrogrades, vous le savez, maintenant vous les connaissez. Saturne, 19 degrés des poissons rétrogrades, bien au-delà de la rentrée. Neptune, pareil, 29 degrés des poissons rétrogrades. Donc,
Très bon pour la sagesse Saturne et pour l'inspiration Neptune, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mais également mes taureaux, mes capricornes. Vous jouez sur ces rouages-là. C'est un moment un peu particulier pour vous cinq, pour prendre du recul face aux situations, avoir une vision plus sage des enjeux en présence, ne pas s'illusionner trop avec Neptune. Là, on prend de la distance hein, par rapport à l'inconscient collectif, parce qu'on a vécu depuis des mois là, de stress. Oh, Neptune rétrograde, ça nous permet de diluer, d'arrêter de nous paniquer, de nous inquiéter, de nous tracasser sur des choses sur lesquelles on n'a souvent pas pris, c'est collectif. Et puis, on prend du recul, de la profondeur de pensée avec Saturne. Il est rétrograde, on prend justement de la distance en retour. C'est très, très, très bien, ça, j'aime bien. Les phases rétrogrades de Saturne. Et puis voilà, hein, Uranus toujours en taureau, donc mes créatifs, mes ceux qui ont des idées en ce moment, c'est pas mal. Si vous avez des planètes fin taureau, fin vierge, fin capricorne, fin poisson, fin cancer, ce qui se dessine, ça peut être intéressant en matière de projet, ça mérite qu'on creuse, hein, qu'on aille plus loin, qu'on essaye de le rationaliser pour le concrétiser à la rentrée, ça peut être une idée. Et puis Pluton toujours en Verseau, un degré rétrograde, un petit Verseau, si vous êtes du premier décan, ben en ce moment on fiche un peu la paix. Pareil, premier décan Lion, vous avez vous aussi une phase de vacances, premier décan Scorpion et premier décan Taureau aussi. Pluton, celui qui engendre ce besoin de transformation en ce moment, est en phase de recul, donc on est moins sujet à vouloir tout transformer. Prenez une pause, faites la pause. Hein. Là, on ne précipite rien dans les changements importants. Laissez les choses maturer. Hein. S'il n'y a pas de priorité à agir de façon immédiate, le temps est un allié. On sait, le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. J'aime beaucoup celle-là, moi. Bon, Saturne, profondeur de pensée, je disais. Ça peut être l'occasion. De temps en temps, je vous fais des petits trucs sur les planètes comme ça. Saturne, qu'est-ce que c'est ? On craint un peu Saturne, parce que c'est la planète de l'hiver, c'est la planète du froid, c'est la planète du repli, de l'isolement. Parfois, c'est un fort indice, les gens très marqués par Saturne. S'ils n'ont pas de solution d'énergie ou de solution autre, ça peut donner des mécanismes de repli, d'isolement, qui peuvent générer des atmosphères un peu dépressives. Hein, voilà, c'est un peu l'idée. Saturne, il est trop puissant, il faut se méfier, parce qu'il isole, il assèche, et c'est pas terrible, en fait. Ça sèche, hein, que ça soit le cœur, l'esprit. Faut qu'il ait, c'est un élément parmi d'autres, mais parmi ces bons éléments, Saturne nous apporte de la sagesse, nous permet d'intégrer le temps hein, dans tout ce qu'on touche et est susceptible de développer ce qu'on appelle la profondeur de pensée. Je fais notamment référence aux endroits où il est en maîtrise, que ça soit le tout premier de la liste, c'est Saturne en Verseau, ceux qui ont la chance d'avoir Saturne en Verseau, sont des profils qui, naturellement, plus que la moyenne, disposent d'un talent à mettre en exergue, en valeur, en lumière, qui consiste à travailler la profondeur de pensée. Idéalisation du Verseau, Saturne, la sagesse, le recul, l'abstraction, l'abnégation, la capacité à voir loin, avec détachement, ce merveilleux mélange est formidable. En Capricorne, c'est vraiment aussi des profils qui ont la capacité à être prudent, organisé, vision à long terme, sage, en allant à l'essentiel. Et en Balance, il a aussi une exaltation qu'on oublie trop souvent. Hein, en Balance, c'est Vénus l'amour ou Saturne, un peu le repli, la mélancolie. Et souvent chez les Balances, on a affaire ou des profils qui sont des mécanismes incarnant le charme. Mais aussi, on y trouve souvent des tendances à la déprime, souvent lorsqu'ils sont seuls. Il faut avoir ça en tête. Balance, c'est fait pour être en couple, en relation. Hein, seul. Ils sont fragiles. Saturne prend souvent le relais. Il faut se méfier de ce côté-là. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Alors, on va terminer par les petites citations, parce que ça me fait tellement plaisir, les petites citations que vous me faites parvenir. La première, je l'adore, elle est de Valérie. Valérie nous fait parvenir une citation d'Alfred de Musset. Que dit cette citation ? Elle dit « Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ta main serre la mienne. » C'est tellement Balance, ça. J'adore cette citation. Je l'adore vraiment. Merci Valérie. Une autre, de Béatrice. Béatrice nous cite Jacques Salomé. « La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. » Et chacun en détient la clé. Un petit Mars en Gémeaux, là, pour changer, ça peut être l'occasion pour ceux qui doivent sortir de leur zone de confort. Cette énergie un peu réactive, c'est pas mal, ça collerait assez aussi. Et enfin, une dernière, de Guy. Guy, aussi, nous donne des citations très sympas, de William Sinclair. « Ce n'est pas parce que les nuages cachent le sommet de la montagne qu'il est impossible de l'atteindre. » Ce n'est pas parce que les nuages cachent le sommet de la montagne qu'il est impossible de l'atteindre. Ça, c'est du Jupiter.
toujours voir le bon côté des choses. Ce que je vous encourage à faire, parce que de tout ce que j'ai vu dans la vie, à partir du moment où on met le curseur sur ce qui est susceptible de fonctionner et on le réduit sur ce qui est susceptible de ne pas fonctionner, eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça marche mieux. Voilà, hein, on a tout à gagner à y croire. Donc voyons toujours le bon côté des choses, toujours être positif. Hein, et puis pareil au niveau des liens humains, c'est un truc, moi j'ai la science Sagittaire, donc j'ai appris à, entre guillemets, lâcher les chevaux. Lâcher les chevaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, contrairement à une éducation qui parfois peut être perçue comme psychorigide, cadrante, parfois étouffante, c'est des mots qui me viennent à l'esprit comme ça, le fait de s'autoriser à travailler sur ce que j'appelle le surmoi freudien, le lien aux autres, la socialisation, avec un peu de chaleur, un peu de positif, un peu d'élan, un peu d'optimisme, ouvre quasi systématiquement des opportunités, des contacts, des liens, des ouvertures nettement plus ouverts. Voilà, hein, on gagne toujours à être positif et optimiste. Je fais simple, mais c'est l'idée de fond. Merci pour la gentillesse de vos messages, de vos abonnements, de vos partages. Merci pour toutes ces bonnes énergies. Bon été, bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis je vous prépare plein de trucs comme d'hab. Merci.